Bonjour les enfants, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Alors aujourd'hui, on va jouer à un jeu. D'accord? Le masculin et le féminin. Mais dans les objets. Jouons au jeu. Le genre des objets. Le masculin et le féminin. Par exemple, chaise. On dit une chaise. Une chaise. Alors, c'est féminin. Ordinateur. On dit un ordinateur. Alors, c'est masculin. Clé. Clé. On dit une clé. Une clé. Une clé. C'est féminin. Soleil. On dit le soleil. Le soleil. C'est masculin. Lampe. On dit la lampe. La lampe. C'est féminin. Téléphone. Non, non. On ne dit pas une téléphone. Non. Un téléphone. Le téléphone. C'est masculin. Radio. On dit un radio, une radio. Normalement, on dit une radio. La radio, c'est féminin. Ciseau, on dit le ciseau, les ciseaux, le ciseau. Alors, c'est masculin. Bateau, oui, un bateau, masculin. Assiette, assiette, on dit une assiette, c'est féminin. Verre, non, on ne dit pas la verre. Une verre, non, un verre, c'est masculin. Papier, 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 non, non, on ne dit pas une papier, un papier, c'est masculin. Éponge, non, on ne dit pas une éponge, un éponge, c'est, ah, c'est faux. La bonne réponse, c'est une éponge, désolé. Vase, alors. Qu'est-ce qu'on dit? Un vase ou une vase? Non, on ne dit pas un vase. Une vase, c'est féminin. Non! C'est faux. On dit un vase. Un vase, c'est masculin. Oh là là. Bouquet. Bon, un bouquet. Oui, c'est masculin. Chaussure. Non, on ne dit pas une chaussure. Un chaussure. Non! C'est faux. C'est une chaussure. Voiture, oui, c'est une voiture. Stylo, oui, c'est un stylo. Un arbre. Une arbre. Une arbre, oui, une arbre. Non, c'est un arbre. Un arbre. Balai. Une balai. Oui, une balai. Non, un balai. Un balai, c'est masculin. Oh, on a commis plusieurs fautes. On va rejouer, mais aucune faute cette fois. D'accord? C'est promis. Bâton, un bâton. C'est juste. Caméra. Une caméra. C'est juste. Un verre. C'est juste. Une lampe. C'est féminin. C'est juste. Un oiseau. C'est masculin, oui, c'est juste. Un couteau, oui. Un chat, oui. Un stylo, oui. Un téléphone, oui. Une scie, c'est féminin. Une chaise. Une caméra. Un marteau. Un stylo. Une lampe, c'est féminin. Une route, c'est féminin. Un vase, c'est masculin. C'est très bien. Une chaise, c'est féminin. Une étoile, c'est féminin. Une voiture, c'est féminin. On va rejouer, c'est vraiment un jeu intéressant. On va rejouer encore. Mais pas de faute. Un ciseau. Une montagne. Un bouquet,
Une éponge ou une éponge? Une éponge. Oui. Un ciseau. Une clé. Une voiture. Un marteau. Une radio. Un téléphone. Un vase. Très bien. Une chaussure. Une radio, une télévision, le soleil, un balai, c'est juste, une voiture, une télévision, c'est féminin, une chaise, c'est féminin, une table, c'est féminin, c'est très bien. On va rejouer encore, oui, c'est vraiment intéressant. On va rejouer. Une fourchette, un bateau. Un couteau, une clé, une assiette, une lampe, le soleil, une maison, une voiture, un arbre, c'est masculin, une montagne, un téléphone. Un couteau, le soleil, le soleil, un livre, un ordinateur, un avion, c'est masculin, un avion, une étoile, une table, un arbre. Oh, on va rejouer la dernière fois. Un ordinateur. Un stylo, une cuillère, un chien, un vase, une radio, une montagne, un téléphone, un couteau, une chaise. Un téléphone, un bouquet, une clé, une fourchette, un chat, pardon, une route, une assiette, un arbre. Une montagne. Oui, très bien, on a bien joué. Non, non, c'est pas la peine de rejouer encore une fois. On a bien maîtrisé le genre, le masculin et le féminin des objets. À la prochaine. Au revoir.